Salut, c'est Enora22. On se retrouve aujourd'hui pour un guide des plus rapides Aquadine. Vous le savez, Ratalaika Games est connu pour ses jeux faciles dans l'obtention des succès et pour son gameplay minimaliste. Et avec Aquadine, on ne pourra pas faire plus simple dans ces deux domaines. Et ce sera parfait pour les chasseurs de succès. Allez, suivez le guide. Vous aurez deux manières pour explorer l'histoire et obtenir tous vos succès. La manière classique, il faudra compter une douzaine d'heures pour terminer le jeu. Ou bien la manière un peu moins classique mais terriblement efficace, en moins de 10 minutes, à vous le 100%. Pour la manière un peu moins conventionnelle, il nous faudra activer les options que je vais vous montrer tout de suite. Cliquez sur Settings, puis à l'aide de A, activez Skip All Messages. Cliquez ensuite sur RB et activez All Transitions et Keep Skipping After Choices. Appuyez ensuite sur B pour revenir au menu principal, puis Start pour commencer votre nouvelle aventure. Une fois le jeu lancé, pour la manière classique, vous pouvez avancer les dialogues soit en appuyant sur A, soit en enclenchant le mode automatique avec X. Pour la manière un peu moins conventionnelle, appuyez simplement sur RB pour un défilement rapide et efficace. Une fois que vous aurez découvert l'identité de la fameuse sirène, vous devrez explorer 4 autres histoires. Et là, pareil, soit vous optez pour un défilement automatique mais lent, soit pour un défilement beaucoup plus rapide à l'aide de votre touche RB. Quand l'histoire principale et celle des 4 autres personnages seront terminées, il vous faudra alors retourner dans le menu principal et cliquer sur Memories. Je ne vous refais pas le topo quant à la vitesse du texte qui s'affiche à l'écran. Vous l'aurez compris, c'est ici que vous obtiendrez les 2 derniers succès restants.
Voilà, 18 succès in the pocket et en moins de 10 minutes top chrono. On ne peut pas faire plus efficace que ça. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me rejoindre sur Twitch. N'hésitez pas non plus à visiter le site successone.fr, le site de référence pour retrouver toutes les astuces pour les succès où vous êtes en galère. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord. Vous verrez, on est une communauté bien sympathique. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.